Bonsoir tout le monde, c'est-à-dire bonne fin d'après-midi tout le monde et bienvenue à notre émission en direct. On s'excuse si on est un petit peu folichon ce soir, c'est parce qu'on a vraiment toute une équipe de musiciens ce soir dans le studio et il se dit toutes sortes de belles petites choses. Vous allez reconnaître des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et ça, ça nous fait un immense plaisir de vous les présenter ce soir dans notre émission en direct. Alors sans plus tarder, on va présenter le claviériste qui est à l'arrière, notre ami Jean-Paul. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ah, il le faut. Bon, puis on est prêt pour Oui. une petite tourne pendant toute la soirée. Une bonne heure. Ouais. Une bonne heure. Alors, Jean-Paul, un gros merci d'avoir été là. Merci. OK. Alors, on a quelqu'un qui, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas vu, mais là, qui est avec nous autres ce soir, notre ami Hippolyte. Salut. Salut, bonsoir Hippolyte. Ça va bien? Puis, ça va bien, toi? Oui. On là, se maintient un jour à la fois. Attention à notre vieillesse. S'il vous plaît, parlons pas de l'âge. Pas de l'âge, je sais que t'es plus vieux que moi. On est tous des jeunes. J'en parlerai pas. On est tous des jeunes. Eh bien, oui, okay. Ce soir, on a le plaisir aussi d'avoir avec nous notre ami Denis. Denis, bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait se dire le plaisir est très grand. Je suis certain que nos téléspectateurs vont être charmés de te voir avec nous ce soir. Essayer. À la télévision. J'en doute pas un seul instant, Denis. Alors, on va avoir quelqu'un d'autre aussi à présenter, mais un petit peu plus tard. C'est bon. Tu sais, on a toutes des surprises ce soir. Hein? C'est spécial. Denis, on y va en musique, mon ami? Et c'est parti! Je pense que ça doit soigner dans les chaumières. À soir, ça doit être tasser les meubles. C'est une soirée spéciale. Et on se prépare, parce qu'il n'oubliez pas une chose. Oui, Noël, c'est dans combien de dodo?
une trentaine de dodos et plus. Es-tu à même date? Je sais pas, Jean-Paul, ça pourrait-tu être changé cette année, tu penses? Je vous ai dit, chers téléspectateurs, c'est une gang de fêtards ce soir, puis qu'on est tous ensemble, puis c'est une émission spéciale. Alors, sans plus tarder, ben, on continue en musique, Tony? On y va, mon ami. Il commence à faire chaud dans le coin, hein? Oui, il n'y a pas de problème, Hippolyte. C'est parfait, mon cher ami. Ben oui, c'est tout à fait normal. Parce que les applaudissements, eh bien, c'est la nourriture des musiciens. Des musiciens, hein? C'est la nourriture des musiciens. Ce soir, bien, on n'est pas tout seul sur le plateau quand même. On a des gens qui nous entourent. Il y a Laurie et Nicolas qui sont à la caméra. Il y a Anne-Renée qui est un téléphoniste. Et il y a Roger de l'autre côté avec une autre. On va dire comme on dit en arrière courant, qui nous shoote les images sur le câble avec tous les instruments qu'il y a de l'autre côté. C'est l'homme invisible, mais très pratique. et pour tous, chers téléspectateurs, eh bien, si vous avez des vœux à formuler, si vous avez un beau bonjour à dire à quelqu'un, 418-763-5585, appelez-nous, on est là. Anne-Renée attend vos appels téléphoniques. Et on retourne en musique. We'll be right back.
bravo. Comme Hippolyte voulait ça, bien, on va faire des applaudissements. Hein. C'est merveilleux. Alors, comme on n'a pas d'appel téléphonique, vous pouvez toujours nous appeler. Gênez-vous pas. Ça va faire plaisir de vous passer en onde. On retourne. Hein? J'écoute en mangeant. Ben oui, je t'en prie, ça va, en prenant un petit café, un petit thé, ouais, puis ouais. C'est bien beau, c'est du genre de souper. Alors, on retourne en musique, les amis? Bravo, 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 bravo. On en refait encore une petite tranquillement. OK? On y va? Oui. Bon, Jean-Paul va synchroniser. C'est tout à fait normal. L'électronique d'aujourd'hui, vous savez, il faut quand même toucher des petits pitons de temps en temps. C'est bon? C'est déjà prêt, Jean-Paul? Bon, vous êtes formidables, les gars. Hein? C'est parti, on y va.
Le séminaire des amplis de guerre, c'est on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Téléco-Géco, du vrai monde d'ici. Présentée par France Deschênes, pharmacienne propriétaire, affiliée au groupe Jean Coutu de Saint-Anne-des-Monts, au 763-55-75, là où l'on retrouve de tout, même un ami. Nous avons une surprise. Alors, on a le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau Olivier. Olivier, que vous avez vu l'année passée, hein, à une couple de reprises, hein, Olivier? Oui. C'est bien ça. Alors, c'était à Noël, je pense, la première fois que tu étais venu nous voir. Oui. Puis après ça, bien, en fin d'année, avec l'émission de fin d'année au complet. Alors, tu étais prêt pour nous brasser l'accordéon un petit peu ce soir? Oui. OK, alors, c'est parti, on y va. We'll be right back.
bravo, 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 bravo. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que si Olivier est avec nous ce soir, et qu'Olivier joue de l'accordéon, c'est quelqu'un qui lui a quand même enseigné. Et cette personne-là qui a enseigné l'accordéon à Olivier, eh bien, c'est notre ami Denis qu'on a avec nous autres ce soir. Hey, ce gars-là mérite une bonne main d'applaudissements. Hein? C'est beau, Denis, c'est formidable. C'est fantastique parce que quand on voit des jeunes qui s'intéressent à des instruments un peu traditionnels, hein? Oui, surtout celle-là qui s'en vient est traditionnelle. Elle est tout à fait traditionnelle. Je demanderai à Laurie de bien vouloir faire un zoom très important sur cette nouvelle. Lève-le un petit peu, Olivier, juste pour la montrer à la caméra. Olivier, regardez-moi ça, la belle petite caméra. Ça fait que... tellement habitué à travailler dans la caméra que c'est beau. C'est un petit accordéon. Est-ce que ça a un nom particulier ou est-ce que... C'est accordéon. Accordéon. Bon, ben, Raymond, arrête de placoter. Puis allons-y avec le beau petit accordéon. OK, on y va. S'il vous plaît, hein? Bravo, 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 bravo. Olivier. Hey, mais c'est tout petit. Mais est-ce que ça a les mêmes jeux là-dessus que sur un gros accordéon ou est-ce que c'est différent? C'est la même chose, Denis aussi? Il y a moins de clés. Il y a moins de clés. OK. Est-ce que tu as un deuxième morceau là-dessus ou est-ce qu'on retourne avec la grosse? OK, on prend la grosse. Il est polyvalent. Ah, mon Dieu. Les jeunes d'aujourd'hui, mon cher ami, c'est pas mal plus polyvalent que nous, les anciens de la gang. OK. Même Hippolyte, excellent ce soir. Vous êtes bright, les gars. Pas mal bright. OK. On revient en musique. C'est beau? OK. Allons-y. We'll be right back.
soin, hein? Les amis, ça t'aide. Moi, je vais vous parler deux secondes du gala de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie. C'est le 8e gala de la reconnaissance des jardins. Et c'est le 20 novembre, c'est-à-dire c'est samedi qui s'en vient. Et c'est à l'école Gabriel Lecourtois. Et il reste peut-être encore quelques billets pour le souper. C'est formidable. Ça vaut vraiment la peine d'y assister parce que c'est un événement... important dans l'année. Et si vous avez besoin peut-être d'avoir plus d'informations, M. Danny Pelletier au 418-763-2200 à la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie. Et sans plus tarder, nous retournons en musique. C'est formidable de te voir aller sur un accordéon. Hein? Jeune? Puis avec tout le potentiel qu'il faut. OK? On y va? Où est-ce qu'on est dans le temps? Dans le temps? Ah, mon cher ami, on a toujours le temps. OK? OK, il reste encore quelques minutes, quelques bonnes minutes. OK. Olivier, on continue, mon ami? Non. Tu veux faire une autre pièce à l'accordéon? Non. Ah, il va avoir le galop. Non, à l'accordéon. Une pièce à l'accordéon. Il n'y a pas d'eau. OK. Une pièce à l'accordéon. C'est, au violon. OK. Excusez, là. Okay. Es-tu bon pour une autre pièce au violon? Oh, à l'accordéon? Regardons. Je suis tout mêlé, moi, là. OK. Un autre? On y va.
Bravo. Pendant que je vais vous faire une petite annonce, notre ami Olivier va changer d'instrument. Alors, moi, je voudrais vous informer que samedi, le 27 novembre, c'est à 20h, c'est à la salle Gabriel de Courtois, à Saint-Onde-des-Monts. Attention, c'est-à-dire un spectacle de Daniel Deschem en Gaspésie. Pour les billets, les réservations, c'est à la billetterie Monde Doux, la Maison de la Culture au 418-763-3808. Alors, notre ami Olivier a changé d'instrument. Et l'instrument qu'il va jouer maintenant, c'est le violon. Et la pièce que Olivier va interpréter ce soir, c'est à la mémoire de quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, qui était un très bon joueur de violon aussi, notre ami Damas Vallée. Un très grand ami. Hein? Très grand ami, oui. Un très grand ami de tout le monde, un très grand ami des musiciens. On a perdu un bon joueur de violon. On a perdu un bon joueur, on a perdu un ami aussi. On a perdu, oui, un ami. Un bon joueur de violon, mais je pense en tout ça, un ami. Un ami. Un grand ami. Alors, la pièce qu'Olivier va interpréter ce soir, c'est pour en sa mémoire. On y va, Olivier? Séminaire des amputés de guerre, c'est on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos, j'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Cogeco, du vrai monde d'ici.
Cette émission vous est présentée par France Deschênes, pharmacienne propriétaire, affiliée au groupe Jean Coutu de Saint-Anne-des-Monts, au 763-55-75, là où l'on retrouve de tout, même un ami. Excuse, ça brasse beaucoup sur le plateau ce soir. On a dit qu'on avait des petites choses bien spéciales, c'est vrai. Alors, chers téléspectateurs, eh bien, on vous présente en duo ce soir. On vous présente notre ami Denis, notre ami Olivier, avec accompagné au piano par Jean-Paul et à la guitare par Hippolyte, pour une fin de spectacle tout à fait exceptionnelle. Alors, les amis, deux accordéons, on y va en musique. Avec deux accordéonistes sur le plateau. C'est formidable. Premier appel téléphonique, Gervais, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Il y a du va-et-vient sur le plateau ce soir, mon ami. On voit ça, alors. OK. Tu es mon Denis. Oui. Et Paulie Laplante. Oui. Et Jean-Paul Caneille, puis Chico qui est là. Olivier. Et toi aussi. Merci. Puis aussi ma femme, que j'aime beaucoup. OK. Et Valérien, Yolande, Justin, tous les beaux-frères et belles-sœurs que
OK. Ta famille. Puis Nicole, Daniel, qui j'aime beaucoup, eux autres aussi. OK. Denis Volet, puis Gislaine Henley. Oui. Toutes les pièces ont été choisies ce soir. Ça fait que. On l'aime beaucoup pareil. C'est un spécial. Oui, c'est un spécial pour soi. OK, mon ami Gervais. OK, bye-bye. Salut. On va prendre le deuxième appel bien rapidement. Raymond, bonsoir. Allô? Raymond? Oui. Bonsoir. Bonsoir. OK, vous êtes à la télévision, mon ami? Je parle, ça y est, c'est Raymond. Oui. À Raymond? Oui. C'est Raymond Trepanier. OK, M. Trepanier, bonsoir. Salut, Raymond. Salut. Je voudrais souhaiter une bonne fête à ma conjointe pour le 16 de novembre. Oui. Ben, ouais, 60 ans. Ah, oh, mais c'est merveilleux. Donc, en plus de ça, je voudrais la remercier publiquement. Depuis le mois de septembre 2009, j'ai fait un CV et elle s'occupe de moi. Bon, alors, en tout cas, on te souhaite, Raymond, mon ami, un prompt rétablissement. Merci beaucoup. OK. Bonne fin de soirée. Bye-bye, vous autres, la gang, là. OK, merci, Raymond. Bye-bye. Alors, pour tous les gens qui sont peut-être un petit peu pas capables de... Ah, ouais. OK, on y va en musique, puis après ça, on prend un autre appel téléphonique. On y va? Duo, vraiment, là, c'est formidable. Il faut être dans le studio pour vraiment capter tout l'ensemble de la musique. Anthony? Oui. Alors, j'allais un autre appel téléphonique. Marianne, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Roy. Oui, bonsoir. Je voudrais, moi, pour commencer, féliciter le petit Olivier. Oui? Ah, je pense qu'il le mérite, hein? Ah, oui, ah, oui. C'est terrible, il joue très bien. OK. Ah, bon. Son papa qui lui montre Denis Saint-Laurent. Oui. Une belle soirée, ben, aux autres musiciens aussi. C'est beau. Est-ce que tu as un message spécial? Bonne soirée à tous mes parents de Tourelle, Saint-Anne-des-Monts. C'est beau. Et à vous.
une bonne soirée à vous tous. OK, on te remercie beaucoup. OK. Bye-bye. Bonne fin de soirée, là. On retourne sur une autre pièce musicale, les amis. Bravo, bravo. Hey, ça swing quelque chose, alors. Il y avait quelqu'un qui nous a demandé tout à l'heure le reel des quatre coins. Alors, le reel des quatre coins, comme... Moi, comme le programme était déjà monté ce soir avec nos musiciens, alors ça sera peut-être pour une prochaine, cher monsieur ou chère madame. Le temps passe extrêmement vite, les amis. C'est incroyable. L'heure est presque terminée. On commence juste à réchauffer. Puis commencez juste à vous réchauffer. Ah, ouais. Bon, on va essayer. On va mettre ça la prochaine fois à 2 heures. Pas de problème. Alors, mon ami Jean-Paul, un immense merci. Regarde, il se cache. Il se ça me fait plaisir. Non, j'essaie de me sortir. Nicolas, mon ami. OK. Merci beaucoup, Jean-Paul. Ça me fait merci plaisir. Beaucoup, Hippolyte. De t'être déplacé de ton village natal. Non, pas mon village natal. C'est, c'est juste pour te taquiner. Oui, je le sais. C'est ça. Parce que je viens pas mal de beau, tu vois. Ouais, je le sais, je le sais. Mais c'est toujours des beaux petits coins de pays dans notre Gaspésie. Oui, oui. Olivier, un immense merci, Olivier, d'avoir été avec nous autres. Puis, Denis, c'est un gros merci que je te donne parce que c'est bien toi bien. Qui as permis à Olivier quand même d'apprendre l'accordéon. Oui. Puis tu as été avec nous autres ce soir. Ça fait qu'un gros merci. Et à vous tous, chers téléspectateurs, eh bien voici, notre émission est déjà terminée. On vous souhaite une misère avec mon français ce soir. Hein. Je pense qu'on est impressionné un petit peu. Là. On vous souhaite une excellente semaine et on vous invite à nous écouter lundi prochain à la même heure à 17h30 pour une autre émission en direct. Alors à vous tous, bonne semaine, bonne fin de soirée et à la prochaine. Et on retourne en musique.
comme dans des amplis de guerre, c'est, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Télé-Cogeco, du vrai monde d'ici. Présentée par France Deschênes, pharmacienne propriétaire, affiliée au groupe Jean Coutu de Saint-Anne-des-Monts, au 763-55-75, là où l'on retrouve de tout, même un ami.